J'appelle mon frère François qui a quelque chose à dire. Ich rufe meinen Bruder François, parce que il m'a appelé déjà de chez lui parce qu'il vient d'Hambourg. Der hat mich schon aus Hamburg aus angerufen. Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Der Herr hat ihm was gegeben. C'est ça qu'il ne veut pas vraiment repartir avec ça. Und er möchte nicht damit wieder zurückgehen. Donc il veut nous le dire. Und er möchte es mit uns teilen. Amen. Je bénis le Seigneur d'être là parmi vous aujourd'hui. Dass ich unter euch sein kann. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout et chacun de vous. Und ich lobe den Herr für die Präsenz von jedem Einzelnen. C'était vraiment la volonté de Dieu que nous soyons là aujourd'hui. Es ist wirklich Gottes Willen, dass wir heute hier sind. Parce que le Seigneur m'a montré certaines choses. Der hat mir einige Dinge gezeigt. Concernant l'œuvre ici en Allemagne. Was mit dem Werk in Deutschland zu tun hat. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comme le Seigneur veut. Viele Dinge funktionieren nicht so wie der Herr möchte. Comme il est Dieu, rien n'est caché devant lui. Da Gott ist nichts vor ihm versteckt ist. Tout ce qui ne va pas, lui, il sait. Alles was nicht funktioniert. La volonté du Seigneur, c'est que l'œuvre avance ici en Allemagne. Sein Wille ist, dass das Werk hier vorangeht. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas en ordre. Aber es gibt einige Dinge, die nicht in Ordnung sind. Et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Ich möchte euch sagen, was der Herr mir gezeigt hat. La Bible nous dit que c'est pas la liberté que Christ nous a affranchie. Das ist für die Freiheit, dass der Herr uns. Dans les systèmes, on nous empêche de parler quand le Seigneur nous montre des choses. Also im System haben wir es verboten zu reden. Mais je bénis le Seigneur à travers ce message de recevoir la parole. Aber nous avons appris. Ich segne den Herrn. Durch dieses Wort zurück zum Wort haben wir gelernt zu reden. Ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Wir haben gelernt, die Dinge zu sagen, die der Herr uns sans regarder à gauche, sans ni regarder à droite. Ohne nach links oder nach rechts zu schauen. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin, um darüber zu sprechen, was der Herr mir gezeigt hat. Le Seigneur m'a donné trois passages dans la Bible. Er hat mir drei Versen gegeben in der Bibel. Et le songe, je vais vous raconter d'abord le songe et nous allons lire la parole. Also ich erzähle erstmal und dann werden wir das Wort lesen. J'ai fait un songe, j'ai vu qu'il y avait une conférence ici à Stuttgart. Ich habe einen Traum gehabt, wir hatten eine Versammlung in Stuttgart. Et on avait invité l'apôtre Chora qui devait venir. Wir haben den Bruder Chora eingeladen. Et bon, nous sommes retrouvés ici dans une grande salle. Und wir haben uns versammelt in einem großen Raum. Et j'écoutais une voix, les voix, les gens qui criaient, qui disaient pourquoi Stuttgart, pourquoi Stuttgart, pourquoi Stuttgart. Und ich habe Stimmen gehört, die haben geschrien, warum in Stuttgart, warum in Stuttgart, warum. Et c'est comme ils ne veulent pas que cette conférence ait lieu ici à Stuttgart. Und das klang so, als wären die dagegen, dass diese Konferenz stattfindet hier in Stuttgart. Comme ils disaient aux gens de ne pas y aller. Die haben sogar zu Leuten gesagt, geht nicht dahin. Donc on s'est retrouvé à Stuttgart dans la salle. Also wir haben uns hier in Stuttgart befunden im Saal. La salle était complètement vide. Der Raum war komplett leer. Il y avait pas de gens. Es waren keine Leute da. Il y avait peu de gens. Es waren wenige Leute. Et l'apôtre Chora disait. Und der Apostel Chora hat gesagt. Comme les gens ne sont pas là. Da die Menschen nicht da sind. Il va profiter pour donner des enseignements. Wird er diese Situation nutzen, um Lehre zu geben. Oui. Donc après je me suis réveillé. Dann war ich wach. J'ai demandé au Seigneur. Habe ich den Herrn gefragt. Que signifie ce songe? Was bedeutet dieser Traum? Parce que quand le Seigneur montre des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses que nous ne voyons pas. Wenn der Herr etwas zeigt, dann bedeutet das, dass Dinge passieren in der Kulisse, von denen wir nichts wissen. Le Seigneur a commencé à m'expliquer que les gens ne veulent pas que l'œuvre avance ici en Allemagne. Der Herr hat mir gezeigt, dass manche Leute nicht wollen, dass das Werk in Deutschland vorangeht. Et ces gens, ce ne sont pas les gens de l'extérieur. Und das sind nicht Leute, die außerhalb sind. Ce sont les gens qui s'assemblent avec nous. Das sind Leute, die mit uns versammeln. Il y a un esprit de concurrence. Es gibt einen Geist der Konkurrenz. Chacun veut que ça se fasse chez lui. Jeder möchte, dass es bei ihm stattfindet. Chacun veut être élevé. Jeder möchte erhöht werden. C'est comme si nous voulons imposer notre manière de fonctionner à Dieu. Das ist so, als wollen wir Gott befehlen, das zu tun, was wir wollen. Dieu me montre qu'il est Dieu. Der Herr zeigt mir, er ist Gott. Et il fait ce qu'il veut. Und er tut, was er will. Il veut commencer une œuvre ici en Allemagne. Er möchte ein Werk hier in Deutschland beginnen. Et il a choisi cette ville und de Stuttgart. Der hat diese Stadt Stuttgart ausgesucht. Pour commencer. Um zu beginnen. Je ne suis pas ici pour élever les gens de Stuttgart. Ich bin nicht hier gekommen, die Leute von Stuttgart zu erheben. Je suis ici pour obéir à ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ich bin hier, um zu gehorchen, was der Herr mir ans Herz gelegt hat. Parce que sans l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Besser ist es zu gehorchen, als Opfergaben zu geben. Et sans plus tarder, nous allons lire un passage dans la Bible que le Seigneur m'a montré. Wir werden lesen. Dans Esdra. Esdra.
Esdras chapitre 1er. Esdras chapitre 1er. Esdras chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1er. Ab vers 1. C'est quelle page? J'ai du mal à trouver le verset. 700. 778. Ok. Esdras chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er. Vers 1. La première année donc de Cyrus, roi de Perse. Und im ersten Jahr, als Kyros König von Pers war, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Jérémie, erfüllte sich das Wort des Herrn, das durch Jeremia gesprochen hatte, soit accompli. Continue. Yahweh révèle l'esprit de Cyrus, roi de Perse, und erflammte den Geist des Kyros, qui fut publié par écrit, so dass diese die Folgen erklärten, et de vive voix dans tout son royaume en disant, so dass diese die folgende Erklärung abfassten und im ganzen Reich verkünden ließ. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. So spricht Kyros, der König von Pers. Yahweh, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem in Juda ein Haus zu errichten. Qui d'entre vous est de son peuple? Wer unter euch seinem Volk angehört? Qui veut s'y employer? Continue. Que son Dieu soit avec lui, sein qu'il Gott, monte à Jérusalem en Juda. Sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen. Et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh, le Dieu d'Israël. Und das Haus des Herrn, des Gottes Israels zu bauen. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Et quant à tous ceux qui demeureront en arrière, aber auch die übrigen Einwohner aus all den Orten, de quelque lieu que ce soit où ils séjournent, in denen er als Fremde lebt, que les gens du lieu où ils demeurent leur viennent en aide avec de l'argent, de l'or, des biens et des bétails, ou tout ce qu'on offrira volontairement pour la maison du Dieu qui habite à Jérusalem. Sollen ihm unterstützen mit Silber und Gold, mit Vorräten, mit Vieh und darüber hinaus mit einer freiwilligen Gabe für das Haus Gottes in Jerusalem. Alors les chefs des prêtres de Juda et de Benjamin, des prêtres et des lévites, se levèrent pour conduire tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, afin de remonter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Und so machten sich die Anführer der Stämme Juda und Benjamin, die Priester und Leviten, sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte, auf, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Amen. Alors nous voyons dans ce passage, wir sehen hier in dem, que le peuple de Dieu qui était exilé en Babylone. Also wir sehen das Volk Gottes, die in Babylon waren. Maintenant 70 ans. Über 70 Jahre. Après 70 ans, le Seigneur a décidé de ramener ce peuple à Jérusalem. Nach 70 Jahren hat der Herr sich entschieden, das Volk wieder nach Jerusalem zurückzubringen. Mais il manquait quelque chose à Jérusalem. Aber es hat in Jerusalem etwas gefehlt. Le temple était détruit. Also der Tempel war zerstört. Il fallait maintenant rebâtir le temple. Man musste den Tempel wieder aufbauen. Et Dieu avait réveillé l'esprit du roi. Und der Herr hatte das Geist vom König aufgeweckt. Et le roi avait annoncé ce que Dieu lui avait parlé. Und der König hat darüber gesprochen, was der Herr ihm gegeben hatte. Et on a vu ici au verset 5. Und wir haben gesehen im Vers 5. La Bible nous dit que alors les chefs des pères de Juda, de Benjamin, des prêtres et des lévites se levèrent pour conduire
tout ce dont Dieu réveilla l'esprit afin de remonter pour rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Und wir sehen hier Vers 5, und sie machten sich und so machten sich die Anführer der Stämme Juda und Benjamin, die Priester und die Leviten, sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte, auf, um ihn aufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Le Seigneur me montre dans ce passage, der Herr möchte uns hiermit zeigen, s'il veut commencer une œuvre quelque part, wenn er irgendwas in einer Stadt beginnen möchte, il n'appelle pas tout le monde. Er ruft nicht jeden. Il appelle seulement quelques personnes. Er ruft bestimmte Leute. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de masse. Weil der Gott ist nicht Gott der Masse. Dieu n'a pas besoin d'une masse pour travailler. Der braucht nicht die Masse, um zu arbeiten. Dieu a besoin de 2, 3, 4 personnes pour commencer une œuvre. Der braucht 2, 3 Leute, um sein Werk zu beginnen. Et quand Dieu choisit ces gens-là, il révèle l'esprit de ces gens. Und wenn der Herr diese Leute auserwählt, si ton esprit n'est pas réveillé, tu ne peux pas travailler avec Dieu. Wenn der Herr diese Leute auserwählt, dann weckt er ihr Geist auf. On a vu ce que le Seigneur réveille l'esprit des gens. Wir sehen hier, der Herr hat deren Geist erweckt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Was passiert? On voit ici au verset 6. Wir sehen im Vers 6. Et tous ceux qui étaient autour d'eux les encouragèrent. Alle ihre Nachbarn unterstützen sie. Ils les encouragèrent. Sie, also die haben sie unterstützt. C'est-à-dire quand Dieu suscite. Also wenn der Herr auf, irgendwas erweckt. Les gens pour faire le, son œuvre. Menschen, um sein Werk zu tun. Ils réveillent leur esprit. Der weckt ihr Geist auf. Et les véritables enfants de Dieu. Und die wahren Kinder Gottes. Se lèvent ensemble. Die gehen mit denen zusammen. Et les encourage. Und unterstützen sie. Pour que l'œuvre avance. Damit das Werk vorangeht. Mais malheureusement, nous voyons aber ici leider, en Allemagne. Aber leider sehen wir hier in Deutschland. Qu'il y a un esprit de découragement. Es gibt einen Geist der Ermutigung. Quand Dieu appelle des gens, wenn der Gott Menschen ruft, il leur confie une œuvre, dann tut er denen was anvertrauen. Au lieu de les encourager, anstatt sie zu unterstützen, on les décourage. Tun wir sie entmutigen. Le découragement ne vient pas forcément d'une parole prononcée. Die Entmutigung muss nicht unbedingt durch ein Wort rauskommen, das du ausgesprochen hast. Ça dépend de notre caractère, de notre manière de fonctionner. Das kann auch durch dein Verhalten sein. On dit qu'il y a une conférence à Stuttgart. Wir sagen, es gibt eine Konferenz in Stuttgart. Chacun reste chez lui. Jeder bleibt bei sich zu Hause. Il dit que ça ne me concerne pas. Er sagt, okay, das geht mich nicht an. Pourquoi pas chez moi? Warum nicht bei mir? C'est ça le découragement. Das ist die Entmutigung. Au lieu d'encourager les frères qui sont ici, anstatt die Brüder zu unterstützen, parce que le Seigneur veut commencer ici, weil der Herr hier beginnen möchte. Si le Seigneur commence ici, wenn der Herr hier beginnt, ça va prendre feu dans toute l'Allemagne. Das wird ganz Deutschland berühren. Et je sais que le Seigneur veut commencer une œuvre ici. Und ich weiß, dass der Herr hier ein Werk beginnen möchte. Comme je venais de le dire, je ne suis pas ici pour élever les gens d'ici. Wie ich gerade sagte, ich bin nicht gekommen, Leute zu erheben. Parce que quand j'avais eu cette vision, weil als ich diese Vision bekam, il y a une sœur avec qui nous prions ensemble. Eine Schwester, mit der wir zusammen beten. Elle m'avait appelé aussi que le Seigneur, il y a une voix qui lui disait que nous devons aller à Stuttgart. Sie sagte zu mir, der Herr, die hat eine Stimme gehört und der Herr sagte zu ihr, wir müssen nach zweimal. Alors que je ne l'ai même pas parlé de ce songe. Obwohl ich mit ihr gar nicht über meinen Traum gesprochen habe. Parce que quand Dieu montre les choses, il confirme aussi. Aber wenn der Herr was zeigt, dann bestätigt er das auch. Et je suis sûr que le Seigneur veut commencer une œuvre ici. Und ich bin sicher, dass der Herr hier et was beginnen möchte. Prier ensemble. Und wir müssen zusammen beten. Comme Église, wie eine Gemeinde. Le corps de Christ. Das Leib Christi. Le corps de Christ n'est pas divisé. Das Leib Christi ist nicht zerteilt. Dans le Seigneur, il y a pas chez moi, il y a pas chez nous. Im Herrn gibt es nicht einen bei mir, Dieu fonctionne comme il veut. Der Herr funktioniert so, il wie fait er les choses comme il veut. Er macht die Dinge et so, wie er will. Wir sind da, pour accepter ce qu'il da veut. Um zu akzeptieren, nous was sommes pas er là will. Pour imposer wir à sind Dieu nicht da, um ihn dazu nos zu bringen, was wir, unsere Gedanken zu bringen. Qui sommes-nous pour imposer à Dieu? Wer sind wir, um Gott Dieu zu bringen? Dieu fait ce qu'il veut. Der Herr macht, was er will. Nous devons obéir. Wir müssen gehorchen. Sans l'obéissance, il n'aura pas le réveil dans ce ohne Gehorsamkeit gibt es keine Erweckung hier in Deutschland. C'est fini le temps de, que chacun dit moi je vais rester chez moi chez mon il y a plus ça maintenant. Le Seigneur veut que nous travaillons Zeit, ensemble. Nein, ich bleibe bei mir zu Hause. Nein, wir arbeiten ab heute zusammen. Paul dit que nous participons tous à un seul pain, à un même pain. Der et le Paulus, pain c'est Jésus-Christ. Der Paulus meinte, wir beteiligen uns alle an einem Brot, dieses Leib ist Christus. Nous allons lire le deuxième passage que le Seigneur m'a montré. Actes des apôtres. Apostelgeschichte. Chapitre 4. Kapitel 4. Nous allons lire verset 5.
Ab vers 5 jusqu'au verset 12. Bis vers 12. Est-ce que quelqu'un peut lire ça, pardon? Verset 5 jusqu'au verset 12. Or, il arriva que... Ah, pardon. Acte 4, verset 29 jusqu'au verset 26, pardon. 29 à combien? Ouais, 29, 23 ou 26, je ne vois pas 23, bien. 23 ou 26. Je ne peux plus là-bas. Après avoir été relâchés, ouais, ils allèrent vers le leur. Elle leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Eux l'ayant entendu, élevèrent tous ensemble la voix à Dieu et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés en personne et les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Amen. Amen. Si nous lisons Actes chapitre 3, wenn wir lesen Apostelgeschichte 3, nous allons voir que l'église était persécutée. Wir sehen, dass die Gemeinde bekämpft wurde. On a enfermé les apôtres. Die Apostel wurden gefangen, genommen. Ja, on les a interdit de parler au nom de Jésus. Man hat ihnen verboten, über Jesus zu sprechen. En gros, il y avait une menace qui pesait sur l'église. Also sie wurden bekämpft. Also die Gemeinde wurde bekämpft. Et qu'est-ce qui s'est passé? Und was passiert? Ils ne sont pas là, à bras croisés, en disant que l'œuvre n'avance pas, le Seigneur ne veut pas, le diable ne veut pas, nous allons rester comme ça. Sie sind nicht da und sitzen und sagen, okay, das Werk läuft nicht, also wir machen nichts. C'est ça le langage que nous avons. Das ist unsere Art, wie wir reden. Le diable n'a jamais voulu que l'œuvre de Dieu avance. Der Teufel hat niemals gewollt, dass das Werk Il ne veut pas, nous le savons. Und will das nicht, wir wissen es. Mais cela dépend, l'œuvre avance, cela dépend de nous. Und wenn das Werk vorangeht, das hängt von uns ab. Donc l'Église, voyant cette menace qui pesait sur eux, die Gemeinde sah, obwohl sie bekämpft wurden, les apôtres n'étaient pas restés dans leur coin, disaient que nous sommes apôtres, nous allons rester ici prier. Die Apostel waren nicht in ihrer Ecke, meinten nein, wir sind Apostel. La Bible nous dit que après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Die Bibel sagt, sobald sie frei waren, sind sie zu deren gegangen. Et leur racontaient tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Toutes les menaces, tout ça là. Also wie sie bekämpft wurden. Et l'ayant entendu, élevèrent tous ensemble la voix à Dieu et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Ils ont présenté leur problème au Seigneur. Sie haben ihr Problem dem Herrn anvertraut. Ils savent que ce problème, ce n'est pas à leur niveau. Sie wissen, dass sie selbst das Problem nicht lösen können. Que la solution, c'est seulement Jésus-Christ. Die Lösung ist Jesus Christus. C'est ce que le Seigneur nous demande en tant qu'Église. Der Herr möchte auch, dass wir als Gemeinde genauso handeln. Quand les choses ne vont pas, wenn es uns schlecht geht, quand les choses ne marchent pas, wenn die Dinge nicht so vorangehen, l'Église doit se lever, muss die Gemeinde aufstehen et crier und schreien, dire au Seigneur und zum Herrn sagen, d'intervenir. Komm. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Das ist der Grund, warum wir uns heute hier nous sommes là, nous voulons crier au Seigneur. Wir sind hier und wollen zum Herrn. Nous voulons sprechen. Demander pardon au Seigneur. Wir wollen dem Herrn um Vergebung que nos manières de fonctionner n'étaient pas correctes. Dass wir nicht richtig gehandelt que nous avons mal agi. Dass wir schlecht gehandelt que nous avons mal fonctionné. Dass wir schlecht funktioniert haben. Qu'il recommence maintenant de nouveau avec nous. Dass er neu mit uns startet. Dieu n'a pas changé. Gott hat sich nicht geändert. La Bible me dit, il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Er ist derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. S'il a agi ici, wenn er hier so gehandelt il agira aussi avec nous. Wird er heutzutage mit uns auch handeln. Et nous voyons ici, après la prière, und nach diesem Gebet, il y avait un tremblement de terre. Gab es ein Erdbeben. Comme nous sommes là aujourd'hui, le monde des ténèbres,
gibt es die Welt der Finsternis. Sie wird zerstören. Le Seigneur veut que nous fonctionnons comme un corps. Wir sollen wie ein Leib funktionieren. Il y a des gens qui sont parmi nous qui ne veulent pas de Dieu. Es gibt Leute unter uns, die nichts von Gott. Qui se sont infiltrés parmi nous. Sie sind unter uns. Avec l'intention de détruire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Mit der Intention, dass sie das Werk zerstören wollen. Mais on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Aber man kann das Werk Gottes nicht zerstören. Ce que Dieu a commencé, il achève toujours. Was Gott begonnen hat, wird Gott auch vollenden. Le Seigneur veut que cette ville de Stuttgart se réveille. Dass diese Stadt Stuttgart. Le Seigneur veut que toute l'Allemagne se réveille. Dass ganz Deutschland erwache. Ce n'est pas en vain que nous avons reçu ce message de retour à la parole. Es ist nicht umsonst, dass wir die Botschaft. Le Seigneur ne nous a pas donné ce message pour que nous créions des sectes. Le Seigneur veut que nous nous levons. Apporter ces paroles. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ce message. Comme le frère vient de le dire, nous sommes en Allemagne et nous devons faire tout pour que le message rentre ici en Allemagne, pour que les Allemands puissent aussi avoir accès à ce message. Le Seigneur est fatigué de nous voir chaque fois entre nous, dans nos cœurs. Le Seigneur ne veut pas ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu sectaire. Gott ist kein sektiererischer Gott. Dieu veut que ce message soit répandu partout en Allemagne. Gott möchte, dass diese Botschaft überall in Deutschland verbreitet wird. Et ceux qui jouent l'hypocrisie. Und viele sind scheinheilig. Le Seigneur va les juger. Amen. Und Gott wird sie richten. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Weil man macht sich nicht über Gott lustig. Le Seigneur nous a fait cette grâce de recevoir ce message. Der Herr hat uns Gnade geschenkt, damit wir diese Regardez comment les gens sont encore dans les systèmes. Regardez comment les gens sont encore là en train de recevoir des messages qui vont les amener en enfer. Guck mal, es gibt viele Leute, die noch Botschaften. Qu'est-ce que nous avons fait in die Hölle bringen und pour recevoir cette grâce? Wir haben die wahre Gnade empfangen. Si nous jouons avec cette grâce, nous serons disqualifiés. Wenn wir diese Gnade verspielen, dann sind wir disqualifiziert. Dieu. Gott il fait ce qu'il veut. Macht, was er will. Pour terminer, il y a un autre passage que le Seigneur m'a donné. Ich möchte mit einer anderen Bibelpassage enden. Dans Philippiens. In Philippa. Philippiens, chapitre 1. Philippa, Kapitel 1, Verset 15 jusqu'au verset Vers 15 17. Bis 17. Je vais lire. Il est vrai que quelques-uns prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Et que les autres le font au contraire par une bonne volonté. Les uns, dis-je, annoncent Christ par un esprit de dispute et non pas purement croyant. Ajouter de la flexion à mes liens. Mais les autres le font par charité, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Alléluia. Amen. Comme nous sommes assemblés comme ça, là, wenn wir hier so versammelt sind, il y a ces gens là parmi nous. Sind auch solche Leute mitten unter uns heute. Il y a des gens qui sont jaloux. Leute, die neidisch sind. Les gens qui pensent que Dieu, qui pensent qu'ils peuvent changer la vie du Seigneur. Leute, die denken, sie können die Wege des Herrn ändern. Donc chacun vient ici avec sa motivation. Jeder kommt mit seiner eigenen Motivation hier. Seigneur, je veux que ça se fasse chez nous, parce qu'il y a une idée derrière. Herr, ich möchte, dass bei uns auch sowas ist. On voit tous ces gens là s'assembler avec nous. Und alle diese Leute versammeln sich hier. C'est pour cela que l'Église doit se lever. Deswegen muss die Gemeinde, wahre Gemeinde aufstehen. Nous devons prier pour que le Seigneur. Wir müssen beten, damit Gott nous sépare de la mauvaise compagnie. Von schlechten Leuten trennt. La Bible nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Weil die Bibel sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Le Seigneur veut que nous soyons purs.
Wir wollen rein vor dem Herrn sein. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, nous devons être sincères devant Dieu. Müssen wir ehrlich vor Gott sein. Nous devons changer nos manières de fonctionner. Müssen wir unsere Art und Weise zu handeln ändern. Nous devons changer nos mentalités. Müssen wir unsere Mentalität ändern. Sans ça, on ne verra rien. Ohne das werden wir nichts sehen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gott segne euch.